Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, adapté vraiment aux grands débutants. Vraiment, la personne qui n'a jamais fait de magie, qui ne connaît rien à la magie, ce tour est fait pour lui. Pour ce faire, vous aurez juste besoin d'un jeu de cartes, donc vous allez dans votre tiroir, vous prenez le jeu de cartes que vous avez dans le tiroir bien au fond, vous le récupérez et vous allez voir, vous serez capable de réaliser ce tour à vos amis dans la minute qui suit. Et par la suite, si la magie vous intéresse et vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à vous rendre sur mon école de magie gratuite tutomagie.com pour apprendre les bases de la magie des cartes ou sinon la magie des pièces à travers des vidéos pédagogiques gratuitement sans aucune inscription. Et pour les magiciens plus avancés, n'oubliez pas de me soutenir via Tutomagie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif, énormément de tours expliqués de qualité professionnelle. Plus de 60 vidéos sont immédiatement accessibles dès la souscription, c'est sans engagement. Bref, comme d'habitude, la démo et l'explication derrière. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo. Pour ce tour, vous allez vous procurer un jeu de cartes et vous allez être capable de sortir magiquement deux cartes, le 8 et le 9. Et regardez bien, le 8 et le 9, on va tout simplement les placer dans le milieu du jeu. Alors, le premier par ici, par exemple, voilà. Et le second à peu près par là. Voilà, vraiment, honnêtement, hein, dans le milieu. Donc, on les montre, on les insère tout doucement, comme ceci, vraiment, hein, proprement. On peut même poser le jeu sur la table. Et pourtant, regardez bien, si on fait un petit geste comme ceci, et en claquant des doigts, croyez-le ou non, le 8 et le 9 remontent sur le dessus. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a rien à voir et c'est totalement automatique. C'est parti pour les explications de ce petit tour très facile à faire. Alors, vous aurez besoin d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire que vous allez pouvoir récupérer directement chez vous. Et il faudra faire une petite préparation. En fait, vous allez sortir 4 cartes du jeu. En fait, ce sont des cartes jumelles. Vous allez prendre les 2 9 noirs et les 2 8 noirs. Et l'idée, c'est de mélanger les cartes entre elles. C'est-à-dire de prendre, par exemple, un 9 de trèfle et un 8 de pique, et un 9 de pique et le 8 de trèfle. Si je vous montre vite ces cartes comme ceci, sans insister sur la famille, et ensuite, 2 minutes après, je vous montre celle-ci, pour vous, vous avez vu les mêmes cartes. Vous allez voir dans la construction, dans la présentation, le spectateur n'a pas le temps, si c'est bien fait, ça passe très bien, vous allez voir. Donc, vous prenez les cartes jumelles, donc les 2 9 et les 2 8, vous les intercalez, donc vous prenez par exemple le 9 de trèfle que vous mettez avec le 8 de pique, et du coup, le 9 de pique avec le 8 de trèfle. Ces deux cartes-là, ou celles-ci, vous les mettez sur le dessus. Et là, vous en mettez n'importe laquelle, une en dessus et une dessous. Et vous êtes prêt pour commencer. Vous arrivez avec votre jeu de cartes et pour faire apparaître les deux premières cartes de façon stylée, c'est très simple, hein, vous mettez le pouce sur le dessus et les doigts en dessous, vous tenez le paquet comme ceci. Et en fait, vous allez juste faire un petit mouvement pour lancer le jeu. Et en relâchant la pression, tout le jeu va sortir pour tomber dans cette main. Et seulement les deux cartes vont rester dans la vôtre. Regardez bien. Hop, vous voyez ? Ça glisse tout seul. On refait comme ceci, on tient ici, hop. Et de cette manière, quand on retourne, on peut montrer deux cartes. Et là, on n'insiste pas sur les familles. On montre juste que c'est un 8 et un 9 comme ceci. On les montrait nettement. On peut les prendre sans les... en les retournant. On empêche les gens de se souvenir si c'est le 9 de pique ou 9 de trèfle et le 8 si c'est du pique ou du trèfle. On flash de nouveau, on montre, on en perd la première. La deuxième, on l'insère également. On flash encore une fois, on revient, on insère dans le milieu. Là, on perd un petit peu de temps, on embrouille un peu le spectateur. On me dit le 8, le 9, attention, ils sont dans le milieu. Regardez bien, petite passe magique. Vous faites la passe magique de votre choix, par exemple en effeuillant le jeu vers le haut. Et là, vous ne reste plus qu'à prendre la première, la deuxième. Et de montrer que les cartes sont remontées sur le dessus. On n'insiste pas sur la famille ni la valeur. On dit juste que c'est un 9, un 8, comme ceci. Et de cette manière, le tour est terminé. Et on peut replacer le tout par-dessus. Et c'est terminé, c'est très simple à faire. Donc voilà, c'est juste une illusion d'optique, c'est vraiment très facile à adapter vraiment aux grands débutants, vraiment ceux qui n'ont jamais fait de magie, qui voudraient vraiment commencer sans se prendre la tête, vraiment tout à fait, très facilement. Ça permet de mettre le pied à l'étrier, et après si vous voulez aller un peu plus loin, il faudra passer peut-être par des tours un peu plus sophistiqués, en passant par les techniques, etc. Donc je vous invite vraiment à aller sur mon école de magie, tutomagie.com. C'est vraiment le site pour commencer et débuter à apprendre la magie. Donc voilà, n'attends plus, prends un jeu de cartes, teste-le, fais-le, entraîne-toi une fois et fais-le sur tes amis, tu verras que ça marchera. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !